tout le monde! Je m'appelle Laurie, c'est moi qui est derrière le blog de La Bordelle de mer. Je suis ici chez Color Antique pour mon deuxième projet avec eux. J'avais fait un premier projet avec Marie-Lou qui m'avait vraiment expliqué toutes les étapes, comment ça allait fonctionner, mais c'était elle qui avait le lead. Cette fois-ci, je veux vraiment le faire par moi-même et je fais ça. Fait que tu sais, on est intense ou on ne l'est pas. Fait que je vais peinturer le frigidaire et je trouve ça vraiment cool de peinturer un frigidaire parce que moi, c'est mon genre d'avoir un frigidaire jaune, tu sais, ou quelque chose de vraiment spécial de même. Donc, on va pouvoir enchaîner les étapes. Donc, pour débuter notre projet, la première étape, c'est le nettoyant démaquillant. Ça, c'est la chose la plus facile que tu vas devoir faire dans la transformation d'un meuble. C'est vraiment, tu vas juste en mettre des push-push sur ta surface. Surtout pour nous, un frigidaire, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever toutes les traces de graisse, les traces de doigts, de nourriture, tout ce qui est huileux, le vernis s'il y en avait. Donc, aussi facile que ça. Comme ça. Et là, on va recouvrir toute la surface qu'on va laisser agir environ quelques minutes. Vous pouvez le laisser agir plus longtemps aussi, mais étant donné que nous, on ne décape pas vraiment de peinture, juste quelques minutes et ensuite on va essuyer avec un linge. Voilà! On a laissé agir notre produit pendant quelques minutes, comme que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, une guenille, un linge à vaisselle, n'importe quoi. Et on fait tout simplement essuyer le produit qui reste sur ton meuble ou ton frigidaire. Donc, notre surface est maintenant prête à recevoir l'après. Nous, on va utiliser un après à l'huile. Pourquoi qu'on va utiliser un après à l'huile? Parce que la surface sur laquelle on va le mettre, c'est une surface qui est non poreuse. Donc, si on veut que ça adhère bien, on va utiliser un après à base d'huile. Et ensuite, pour mettre notre après, on va utiliser le cabaret Color Antique ainsi que le rouleau de mousse en velours. Donc, on va commencer ça! Donc, mon plateau est prêt. Je vais commencer à appliquer. Quand on applique l'après, tout dépendamment de la surface sur laquelle on va le faire, mais pour moi, ici, je vais mettre deux couches à intervalle de 3 à 12 heures parce qu'après la première couche, on va vraiment le laisser sécher entre 3 à 12 heures. Donc, c'est parti! Quand que vous voulez protéger les poignées de votre meuble, vous pouvez mettre tout simplement du tape dessus pour le cacher. C'est super, super simple. À part si vous souhaitez changer vos poignées, mais comme nous ici, je pourrais mettre du tape pour bien les protéger. Donc, pour la suite de notre projet frigo, on va utiliser la peinture à tableau noir de Color Antique. Donc, cette peinture-là, pourquoi plus celle-là qu'une autre peinture noire de chez Color Antique? En fait, c'est que celle-là, elle est un petit peu plus liquide. Fait que ça va vraiment être plus facile d'aller l'appliquer sur des grandes surfaces, comme un frigidaire, comme un mur dans une cuisine pour pouvoir écrire dessus. Combien de couches que ça va prendre? Ça va prendre
deux à trois couches, peut-être même plus. Et c'est certain qu'il faut quand même en mettre assez épais sur le pinceau. Alors, on commence! Donc, pour débuter la peinture de notre frigo, j'utilise en fait les mêmes outils que j'ai utilisés pour l'après. Le même rouleau velours, le même cabaret, en fait, ça se lave super bien avec le savon granulaire de chez Colorantique. Donc, pour commencer à l'appliquer, je vais prendre le rouleau et après, si j'ai des petites retouches à aller faire, je peux aller faire avec un pinceau. Notre première couche est donnée et elle est sec. Donc là, je vais donner ma deuxième couche. En temps normal, ce qu'on pourrait faire, on pourrait sabler pour avant d'aller mettre la deuxième couche. Mais étant donné que nous, on sait qu'on va en mettre une troisième et que ma surface, elle est quand même vraiment lisse, fait que je vais en mettre ma deuxième et je vais sabler après la deuxième couche. On est bientôt rendu à la fin, les dernières étapes du projet. Donc là, notre frigidaire, il est presque terminé. On a mis trois couches de peinture. En fait, pour notre projet, là, on a fait tout le dessus, les côtés, les portes. On a pris exactement ça, cette quantité-là. Donc si vous avez un projet dans ces grosseurs-là, c'est tout ce que vous allez avoir de besoin. Par la suite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai des petites crêtes ici. En fait, on va comme baptiser notre frigidaire avec une crête que je vais prendre et que je vais vraiment la passer partout sur mon frigidaire. C'est vraiment ça qui va donner comme une couche. Ensuite, on va l'essuyer avec un linge. Par contre, il doit être bien essoré. Il ne faut pas qu'il soit trop mouillé, pas qu'il soit trop humide. Et par la suite, on laisse sécher. Et là, on va pouvoir écrire. Je vais aussi essayer, en fait, c'est les craies de chez Colorantique qui sont plus grasses, donc elles ne font pas de poudre par terre. On va essayer ça un coup que notre frigidaire va être bien baptisé. Maintenant que notre frigidaire est baptisé, la dernière étape qui nous reste à faire, qui est aussi une des plus simples, j'ai mon linge que j'ai vraiment très très bien essoré parce qu'il faut qu'il soit légèrement humide à peine, semi-sec, semi-humide. Et tout ce que je vais faire, ça va être de venir essuyer comme ça et je vais laisser sécher par la suite. Le tour sera joué! De faire la dernière étape qui est de laver le frigidaire après l'avoir baptisé au préalable avec une craie vraiment au grand complet. On l'a nettoyé une fois. On trouvait qu'il restait un petit peu des marques, donc on a juste refait le processus. On a pris notre guenille, on est allé la remouiller, on l'a essoré et on l'a refait. Puis voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir essayer notre frigo. Officiellement,
En plus, je vous redis, cette craie-là, c'est une craie qui est faite plus grasse, donc moins de poussière. Je teste! J'espère que vous avez apprécié ce vidéo-là autant que nous, on a apprécié le faire. On a eu vraiment tout plein de beaux moments, des fous rires, des beaux bloopers aussi. Pour regarder cette vidéo-là, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne YouTube. Il va être partagé également sur les autres plateformes de colorantique, dont Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner. Vous pouvez également aller vous abonner à ma chaîne à moi, La Bordelle de mer, sur Facebook et Instagram. Ça va nous faire plaisir de vous faire profiter de notre contenu. Et on se dit au prochain projet. Bye!